Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening. My name is Nierdelin. If tonight is your first time, you are about to assist me. I want to welcome you. So tonight we're going to do make versus do. So if you guys could please share the live, invite a friend, and I'm going to do the same thing as well. So ma mode chaque grand monde bon mieux partage. Nous pour commencer cours anglais nous tout à l'heure. Moi même tout m'a fait même ensemble avec vous. So ou même qui gagne livre là, OK? So ou même qui gagne livre anglais, hein? Ou à ouvrir livre dans section qui dit make versus do. OK? Assoir, n'a fait make qui veut dire créer et n'a fait do qui veut dire fait. OK? So nous même qui gagne livre anglais, hein? Ouvrir page là pour nous qu'on faire ensemble avec. So meanwhile, those of you guys that are watching, please share the live for me. We are about to start in a minute. So partagez, partagez, partagez. Nous pouvons commencer. Assoir, on a fait deux verbes ensemble, on a fait make et on a fait do. I'm going to turn the camera so we can start, okay? So I hope everyone had a lovely day. My day was phenomenal. So we're going to start right here. We have the word make. Make veut dire créer. And we have to the right hand side do. Do veut dire faire. Mais gade des phrases où pourrait que make là li vin remplacer nan place fè la. OK? So on nou commence. Use do for actions, obligations. Ça veut dire que wap utilize mot do an, ki vle di fè, pou action, obligation. OK? And repetitive task, use make for creating or producing something. Ça veut dire que ou ap utilise make qui veut dire créer pour bagay que ou répéter, bagay que ou créer ou bien bagay que ou produit. All right? And for actions you choose to do generally refers to the action itself. And make usually refers to the result. For example, if you make lunch, the result is the spaghetti. Okay? Now, back to me. Ça yon vlo comprendre, right? Ça vle di que l'on parle de douan ou focus de action. Okay? Now, gen pile moun ki toujou confuse, ki lè pou m'utilize mot dou, ki lè pou m'utilize mot make. Okay? Make lan li plus basé sou résultat. Douan li plus basé sou action. Exemple yon sot bot à l'heure. Si ou fè yon dîner, OK? Dîner a ke wap fè, c'est action. OK? Résultat, c'est li même qui which is the spaghetti. C'est li même ka make. All right? All right. So, let's turn the camera back again. Scroll down. Example. OK? Do homework. Do work. Do business, do an assignment, do a course, do the dishes, do the laundry, do the shopping. So, ça veut dire que le wap utilise mot douan, wap utilise l pour travail nan kay ou bien pour yon action. OK? La kay ou fait devoir. So, therefore, ou pap di make homework. Wap di do homework. I'll do my homework after dinner. Ça veut dire que m'pral fè devwam après dîner. Mo alan se contraction. Au lieu pou moun nan do I will do, li do I'll. Ça veut dire m'pral. OK? Now, si moun nan te vle mette I will do, ça veut dire mwen pral fè. OK? Et même jantou, nan lan créole la nou get contraction. Moi qui dois do, moi pral enseigner ou bien moi qui dois do, m pral enseigner. OK?
I'll do my homework after dinner. M'pral fait devoir après dîner. Do work. Travail. Joe does a lot of work in the evenings. All right? Keep in mind. Third person. Troisième personne. Là, on parle de yon seul garçon, yon seul fille, ou bien yon seul chose, ou supposé dit does, ou pas dit do. Parce que verbe lan dou kon sa ke, he does. Ça veut dire monsieur fait, ou bien she does, fille en fait, it does, li fait. Joe does a lot of work in the evenings. Ça veut dire que Joe fait un pile travail le soir. Would Jerry, I think you have to put your volume up, my dear. Next, do business, okay? Fait business. They are doing business in Japan. They are. Yap fait. Now, où est là? Verbe langue ing la donne. Pourquoi ça vient ing? C'est parce que li progressive. Action pas fini, li continue. So therefore, qui n'est pas action qui continue ou supposé mettre ing dans verbe là. Ok? C'est verbe do, oui, faire, oui. Qui vient continuer là et ça fait ouais ing. They are doing business. Yap fait business in Japan. Japon. Do an assignment. I did my assignment last week. Ok? Ça veut dire que m'te fait travail moi ou bien m'te fait task moi weekend passé. Do a course. Fais un cours. I am doing a photography course. Ça veut dire que m'a fait un cours photographie. Photography. Photography. Photography course. Do the dishes. Ça veut dire fais vaisseau yo. I do the dishes every evening. Moi fais vaisseau yo ou bien moi lave vaisseau yo chaque soir. Do the laundry. Micheline does the laundry when she gets home. Ça veut dire que Micheline fait laundry l'elle rive la caille, OK? Again, ça c'est un verbe. Là on parle de une fille ou supposé mettre s troisième personne. C'est ça fait là, since n'a parlé de Micheline qui sont fille, ou a dit Micheline does, OK? Là, c'est pronom. Au lieu pour utiliser non Micheline, yo do she gets. Ou bien, auteur a te gen doit do Micheline gets home. Next, do the shopping. Al fè achat. I'll do the shopping after work. Ça veut dire que m'bral fè shopping après travail. So, le wap utilise mot douan. Wap utilise l'avec travail nan kay. Wap utilise l'avec action. Alright? Now, let's continue. Scroll down. We often use make when we talk about creation or production of something. Ok? Nous souvent utilise make, qui veut dire créer, le nous parle de création, ou bien production de yon bagay. Do usually refers to the action. Ta koum so di nou ta lè. Ou utilise do pou action. Yo refere do pou yon action. To the process of doing something. Non proces lè wap fè yon bagay. Whereas make refers to the result of the action. Côté que créer ou bien make référé avec résultat action. For example, par exemple, if you make dinner, ok? If you make dinner, sous fait action, ok? Qui ça qui action? C'est ça. Résultat à ça. The result is pasta, ok? Sou fè dîner, résultat la pasta.
All right, let's scroll down. Make is usually used in collocation referring to the following topics. For example, okay, collocation, c'est groupe de mots qui marchait ensemble avec l'autre. Okay, c'est groupe mots qui marchait ensemble avec l'autre. Okay, for example, make lunch, fait lunch. Make dinner, ou pas dit do dinner, ou pas dit make dinner. I'll make lunch soon. Ça veut dire que m'a fait lunch bientôt. Make a cake. Créer un gâteau. He made a cake to the party. This is the past tense of the verb make. Make, c'est dans présent. Made, c'est dans passé. He made a cake. Monsieur te fait un gâteau dans fête là. OK? Make coffee. Fait café. OK? Pour qu'ils soient pas qu'à dire du coffee. OK? Par exemple, depuis bagay nan, li pa pare, tout pare. C'est ou même kap mette ingredient yo ensemble pour préparer l'wap di make. OK? Moun ki toujours ap di, oh, I'm gonna do the bed. You don't do the bed, you make the bed. All right? Now, pour tout travail en dankay ou utiliser mot do, excepté le wap pran jon kabon. Le wap pran jon kabon ou pap di do, wap di make. All right? Turn back. Make coffee. Tim makes coffee for his wife every morning. Tim's fait café pour madame ni chaque matin. Make an appointment. OK? Ça veut dire que ou fait un appointment. Appointment papa est tout fait, so ou utiliser téléphone non. OK? Le ou utiliser téléphone non, pas dit do a phone call, ou dit make a phone call. OK? Parce que c'est action hein qui pral bay résultat. OK? Make an appointment. I made an appointment to see the doctor. Moi te font appointment pour me te wè docteur. Make plans. Fait planification. We're making plans for the weekend. N'a fait plan pour weekend non. Make a list. Fait une liste. I made a list of the things I needed to buy. Moi te fait une liste de bagay que m'te vle acheter. Que m'te besoin acheter. Make a choice. Fait un choix. Ian had to make a difficult choice. Ian te dwe fè yon choix difficile. Make a decision. Fè yon décision. It took me a long time to make a decision. Li te pram yon tan longtemps pou m'te fè yon décision. Took, se nan passé, nan présent ou di take. Passé ou di took. Make a mistake. Fè yon erreur. I made a mistake in the exam. Ça veut dire que m'te font erreur nan examen. OK? Sens ou déjà fait erreur déjà ou pas ka di make ou ap di made. I made a mistake. Moi te font erreur in the exam. Nan examen. All right. Now, they want you to fill in the blanks by choosing make or do. Ça veut dire que ou ap rempli section ki vidyo, ou ap choisi make, créer ou bien do pour compléter chaque phrase. OK? Number one. Est-ce que ou ap di make your hair ou bien do your hair? Hair vle di cheveux. So sou fè ka paret ou pral nan liv anglais an, ou pral nan section make versus do. That's where we at right now. Make your hair or do your hair? So the answer is do your hair. Ou pa ka di make your hair. Parce que chevo deja nan crâne tête ou deja. C'est très sou pral dresser ou bien ranger ko pral ranger. Therefore, you're going to do. Do your hair. All right? Number two. Make a sandwich or do a sandwich. I'm going to make a sandwich or I'm going to do a sandwich.
Make a sandwich or do a sandwich? So for number two, I'm going to make a sandwich. Ou pas qu'a dit do a sandwich, c'est action qu'on pral faire, so therefore pral dit make a sandwich. Number three, do money or make money. Money vle dit l'argent. Do you do money or do you make money? Number three, make money. Ou pa ka di, I'm going to do money. Okay, you're going to make money. Number four, make the dishes or do the dishes. Make the dishes or do the dishes. Dishes vle di vaisseau. Okay? Sans gen pile vaisseau ou mette es la den pou fè le pluriel. Si c'est ton seul vaisseau, t'as dit dish, un plat. Mais si gen plusieurs plats, li pluriel, ou mette es pou di dishes. So number four is do the dishes. Number five, make a joke or do a joke. Joke vle di blague. I want to make a joke or I want to do a joke. Number five, make joke. Ou pa do joke, but you make joke. Number six, do noise or make noise. Don't do noise ou bien don't make noise. Don't do noise ou bien don't make noise. Pour moun ki toujou ap di don't do noise lan li pa bon. Se don't make noise. Pa fè bruit. Noise vle di bruit. Ok? Ok, again. Depi se travay ki an dakay ou ap di do. Do your hair. Fè cheveux. Do the laundry. Fè laundry an. Do the dishes. Ok? Ou bien make the bed. Make the bed li différent. Ou pa ka do the bed parce que l'eau achete kabana deja fabrike deja. So therefore, se ranjou ap ranjil. Right? So wap di make the bed. Si wap fè manje, wap di make breakfast. Ou bien make lunch. Ou bien make dinner. Ou bien make supper. Alright? Exercise. Ok? Ou pa ka di I'm going to make exercise. Wap di I'm going to do exercise. I'm going to do aerobics. I'm going to do yoga. I'm going to do Pilates. Okay? If tonight is your first time you are assisting me, I want to welcome you. If that's your second or third time, welcome again. My name is Mia Delin. We meet every Mondays and Wednesdays. If you have not subscribed with me on YouTube, after this live, go to YouTube, type Apprendre anglais avec Miss Mia Delin. That's how you'll be able to subscribe with me. So, ou même qui fait venir au pays ou bien ou même qui t'a aimé apprendre anglais, nous gain livre anglais qui disponible, OK? So moi traduit en créole pour vous. So ou même qui t'a aimé gain livre là, il est vraiment important pour parler langue là ou même qui fait venir. Il y a pile travail, il apprend mais sous pas parler langue là, yo pap kembo. Ou ka contacter 772-777-0091 ou bien 617-419-53-81 ou même qui t'a aimé prendre cours en privé ensemble avec oui nous bay cours en particulier tout ou ka contacter moi ka aide ou même qui sont étudiants CNA tout soit faut pas ka passer test board là contacter m'a faire review ensemble avec et puis wap passer test board là 772-777-0091 ou bien 617-419-53-81. Ou même qui t'a remé gen tout verbio yo traduit nan langue créole nan tout. Nou gen ni en anglais ni en créole ou aprelem et puis m'a bon toute information yo. Ou même ka vive nan état Massachusetts ou t'a remé fè permis conduit ou aller ou pa passer relem mwen ka aide ou. Si c'est licence lan que ou t'a remé passer, nou gen moun pou ki conduit ensemble avoir tout bagay sa yo.
pour qu'elle passe test licence. Si vous vivez dans l'État Floride ou t'as remis yon etche, contactez-moi, moi, ka aide ou. Ou même qui t'a remis fil pour asile, nous gen asile nan nan spécial kounya. Ou ka contactez-moi, moi, ka aide ou. Ou même qui fait vivre dans le pays, ou a besoin pour gon résumé pour qu'elle fil travail. Ou même qui t'a remis gon résumé professionnel, contactez-moi, moi, ka aide ou. 772-777-0091 ou bien 617-419-5381. Ou même qui gonti moun ki gen difficulté pou li ou bien écrit, contactez mwen ka aide ou. Ou même qui gonti moun ki gen problème pou le faire de voile, si c'est ou même tout qui pas capable tis test lan, contactez mwen ka aide ou. Guys, please, partagez live lan pou mwen. Partagez avec famille ou, partagez avec zami ou, partagez partout. Ou même qui konnen moun ki fèk vin nan peyi an, partagez ensemble avec ou pou ka apprendre anglais ensemble avec nous. Thank you so much for watching. I'll see you guys next time. Once again, the numbers are 772-777-0091 or 617-419-5381. 772-777-0091 ou bien 617-419-5381. Stay positive. Have a blessed night. Bye-bye.